Bonsoir à tous et merci de votre large fidélité au programme de la Fondation Malva Télévision. Vous pouvez nous regarder sur notre chaîne YouTube. À la fin de ce journal, on parlera sport avec les compositions de la 58e édition de la Coupe du Congo. Donc on va vous présenter les affiches de ces tours préliminaires. Mais d'abord, avant d'arriver au sport, on va commencer. Vous le savez, les personnes vivant avec handicap peuvent désormais bénéficier des prothèses béquilles fabriquées par la firme HG Fondation. Voilà l'objectif de la descente de la ministre chargée des personnes vivant avec handicap au siège de cette structure. Maître Irène Essambo vise justement un partenariat qui va désormais valoriser les déplacements des personnes vivant avec handicap. Rite Dinanzeï Torres-Atibo pour les reportages. Cette descente de la ministre chargée des personnes vivant avec handicap à la structure HJ Foundation traduit le sens d'altruisme très élevé que détient cette femme de qualité. Maître Irène Essambo vient palper du doigt les réalités de fabrication des prothèses ainsi que des béquilles pour des personnes vivant avec handicap. Soucieuse de la mobilité de ses semblables, Maître Irène Essambo a rencontré les responsables de cette firme afin d'obtenir une fabrication gratuite des béquilles ainsi que des prothèses pour quelques personnes vivant avec handicap présentes en ces lieux. Après un bref entretien avec la directrice générale de la firme HJ Foundation, Maître Irène Essambo a été conviée à visiter les installations de ce centre hospitalier chargé de la prise en charge des personnes vivant avec handicap. Après cette visite guidée, Maître Irène Essambo a rassuré les personnes vivant avec handicap et autres vulnérables de son implication personnelle à pourvoir à tous les besoins et entrer au déplacement des personnes vivant avec handicap. L'accès aux services de santé pour les personnes avec handicap et HD Foundation est parmi les partenaires qui apportent beaucoup de services à ces catégories de personnes avec handicap. Déjà ce matin, je vois qu'il y a deux personnes avec handicap, deux leaders des associations qui vont recevoir chacun une prothèse par rapport à son handicap. Et cela de manière gratuite. On n'a pas payé, mais HD Foundation est en train de faire quelque chose pour les handicapés. Et vous savez que depuis l'année passée, à la fin de l'année, nous avons signé des décrets. Nous avons adopté au niveau du gouvernement des décrets qui apportent des avantages en termes fiscaux, en termes douaniers et en termes administratifs pour tous les partenaires du secteur privé qui s'impliquent dans le secteur du handicap. Et vous voyez qu'ici, ce n'est que normal que l'État cherche à pouvoir signer un partenariat formel par rapport à tous les services dans le cadre de la fabrication de prothèses, dans le cadre d'accompagnement orthopédique de toutes les personnes avec handicap. Et nous disons merci à HJ Foundation. Et nous disons aussi merci à tous les autres partenaires qui vont vouloir emboîter les pas à ce que font déjà ces partenaires, mais aussi pour pouvoir accompagner la mise en œuvre de la vision du président de la République concernant l'inclusion sociale des personnes avec handicap. Cette visite à la firme HJ Foundation n'est pas une dernière pour Maître Irène Essambo. Un processus de suivi sera déclenché dès ce jour en vue d'un partenariat durable entre les ministères chargés des personnes avec handicap et la firme HJ Foundation. Après l'étape des HJ Foundation, la ministre Irène Essambo s'est rendue au Fonds des Nations Unies au sujet de l'agriculture pour solliciter essentiellement le partenariat de l'agriculture et la pisciculture adaptée aux personnes vivant avec handicap. Retrouvons une fois de plus Cédio Rite Dulanzeï Torres-Atibo qui signe ses reportages. Les personnes vivant avec handicap sont aptes de pratiquer l'agriculture adaptée. Voilà la raison qui justifie la présence de Madame la ministre chargée de cette catégorie des personnes ici au Fonds des Nations Unies pour l'agriculture. Maître Irène Essambo a été chaleureusement accueillie par le représentant de la firme FAO. Après quelques explications sur une agriculture adaptée aux personnes vivant avec handicap, Maître Irène Essambo a vu personnellement les différents jardins de fortune initiés par la firme FAO. Après la visite du jardin, Maître Irène Essambo et toute sa délégation ont été conviés à visiter les étangs artificiels. Il y a
déjà plus de deux semaines passées, le gouvernement a pris des mesures dans le cadre de l'inclusion sociale des personnes avec handicap. Et lorsqu'on parle de l'autonomisation, il faut trouver comment accompagner ces personnes dans ce qu'elles font comme travail pour s'autonomiser en termes d'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, nous sommes venus à FAO pour voir de nos propres yeux les initiatives qu'on peut mettre ensemble pour que les personnes avec handicap soient autonomisées dans le cadre de l'agriculture adaptée. Et ici, je voudrais saluer vraiment l'accueil que nous avons eu à l'FAO et surtout l'oreille attentive de M. le représentant pays et de toute son équipe. En tout cas, nous avons vu qu'il y a des bonnes initiatives qui peuvent accompagner la vision du président de la République en termes de l'autonomisation des personnes avec handicap. Et je crois, dès le jeudi déjà, je vais envoyer les noms des experts du ministère en charge des personnes avec handicap pour déjà commencer à concevoir un programme, parce que nous voulons que ce que nous venons de voir aujourd'hui soit mis en application et que cela soit dans le cadre d'un programme à durée, qui va durer dans le temps. Cette visite ne se limitera pas qu'ici, au Fonds des Nations Unies pour l'agriculture, mais elle se poursuivra plutôt à travers un partenariat entre le ministère des personnes vivant avec handicap et la firme FAO. Les démarches salutaires de la ministre en charge des personnes vivant avec handicap, voilà tout ce qu'on peut vous dire pour l'heure. Concernant évidemment les personnes vivant avec handicap, on va continuer à observer tout ce qui va et puis on va revenir avec plus de précisions. Autre chose à présent dans ce journal, la Cour d'appel du Congo central a jugé recevable et non fondée la requête du gouverneur sortant, je cite, Guy Bandou dans l'affaire l'opposant Grace Bilolo sur les contentieux électoraux. Allez, Madilou 4 de l'INC pense qu'il faut saisir les instances supérieures justement pour les rétablir dans ces trois, car il y a eu fraude lors de la dernière élection. On va l'écouter au micro d'Alain Goma. Je pense que la justice a prévu des instances. Si la cour d'appel a jugé non fondé, il y a une instance supérieure auquel nous irons pour introduire notre requête. Mais ça frise le complot parce que il y a des vidéos qui prouvent à suffisance qu'il y a eu fraude électorale. On devrait normalement annuler ces élections parce qu'on n'a jamais vu. On parle de l'isoloir. Mais où, dans l'isoloir où on voit deux personnes aller voter, il y a des gens qui surveillent les autres. Déjà, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Et vous verrez un député qui a renoncé à son mandat de député provincial, qui part pour voter. Vous comprenez? Donc, il y a vraiment des irrégularités auxquelles le ministère public devait porter son jugement. Mais on est étonné que ça soit recevable et non fondé. Mais bon, nous espérons que l'instance supérieure va nous rétablir dans nos droits. Et puis la question de la révision constitutionnelle continue à diviser non seulement l'opinion politique, mais également l'opinion publique en République démocratique du Congo. Par exemple, dans la commune de Limete où nos caméras ont baladé à travers nos reporters, la population n'a pas manqué l'occasion de faire savoir son point de vue sur les sujets. Plus de précisions et commentaires dans cet élément signé Jean-Cyr Lenguet. À l'heure actuelle, à Kinshasa, plusieurs langues se délient sur les rues de la capitale, surtout dans des points chauds où les jeunes se réunissent. Une seule question à l'ordre du jour, les Kinois se divisent face à la probable révision constitutionnelle telle que due par le chef de l'État pendant sa dernière tournée en Europe, s'adressant à la diaspora congolaise sur place. Constitution d'habitude salement. Copie collée, ngambo mususu au monde aba belge, ngambo mususu au monde aba français. Mais maintenant, si on veut avoir une constitution, mobe kolikuzi wa mboka oezo pour naba congolais tala makamu na biso ba congolais, et ça m'abite. Et vous avez tellement makambo ou et vous allez à Kitoko. Tous en a problème, il y a ba élection. Ils ont posé les problèmes. Tous en a problème même na combo ya pays. Nga nazo souhaité même na président que tout basculer, tous en a vrai combo ya Congo avec K. Nous la révision constitutionnelle. C'est très important. Constitution, il faut être par rapport à la réalité de la Congo. Révision constitutionnelle,
il y a des gens qui sont malades. Il y a des gens qui sont malades. Il y a dans le sens il y a intérêt, il y a peuple congolais. Si quelques-uns acceptent l'idée, par contre, certains montrent un peu de méfiance quant à l'idée de réviser la Constitution. Il y a déjà une révision, naebi o elingi boloba. Nazomona tina ko revisite. Nazomona. Parce que constitution oyo eza na mboka na biso plus eza na intérêt na biso propriété. Et naebi que ceux qui lelo ba koluka ba bande eza pour nous protéger ba intérêt na bango personnel après régime oyo peut-être. Est-ce que révision na ba osala? Et après, on a intérêt à la population. Et après, on a intérêt à la personne. Parce qu'on sait que souvent en Afrique, ceux qui régime et revoient la constitution, souvent c'est qu'on remarque, souvent à Bébé l'Africain, et d'arabes touchera à l'article à mon déjà intérêt à la souvent, population, dans les oubliettes, ne va le barra. Donc, si on peut total, ma carabine au Congo, en Afrique. La condition de l'Afrique et du Congo est inspirée par la condition par exemple, française ou belge. Et ça n'a rien à voir avec la valeur de la Congo. La révision constitutionnelle reste la clé qui pourra mettre fin à certaines pratiques, à savoir le candidat cumulard, c'est-à-dire candidat député national, député provincial et sénateur pour une seule personne. Mais il faut savoir aussi que certains articles restent intouchables ou verrouillés, par exemple le nombre de mandats à la présidence. Justement, sur la question de la révision constitutionnelle telle que souhaitée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, lors de son entretien avec la diaspora congolaise en Belgique, fait réagir plusieurs Congolais. C'est le cas, par exemple, d'Ani Tshamala qui s'est dit satisfait car le chef de l'État emboîte finalement le pas à sa démarche et car, poursuit-il, cette révision est nécessaire pour, par exemple, revoir délai évidemment dans la formulation du gouvernement. On va l'écouter rapidement au micro d'Alain Goma. Vous rappellerez que mon passage sur votre plateau, je ne cesse d'insister sur la révision constitutionnelle. Et je le fais tous les jours parce que je tiens à ce que la République démocratique du Congo puisse connaître son développement. Si je me mets à énumérer ici les dispositions de la Constitution qui doivent être revisées, je crois que je terminerai presque toute la Constitution, mais ça peut tout simplement donner des grandes lignes. Je veux à ce que la révision constitutionnelle porte sur des délais coercitifs. Par exemple, lorsqu'on nomme le Premier ministre, on lui donne un délai pour la formation de son gouvernement. Lorsqu'on institue le bureau d'âge à l'Assemblée nationale, qui est un délai pour l'organisation des élections de bureau définitif. Parce que c'est ce qui permettra à ce que le gouvernement soit mis en place. Lorsque le président de la République est élu, qui est un délai pour lequel le président doit nommer le Premier ministre. Et si le Premier ministre, dans le délai imparti, n'arrive pas à présenter son équipe auprès du président de la République, le président de la République a le pouvoir de retirer son ordonnance. En dehors de cet aspect des choses, il y a aussi les questions qui concernent les impôts et les taxes. Il y a une confusion totale entre les provinces et le gouvernement central. Je me rappelle aussi, il y a l'honorable Jean-Claude Wemba qui a emboîté aussi le pas et lui-même a déjà saisi même la Cour constitutionnelle pour qu'on arrive à lui expliquer par rapport aux dispositions de l'article 203, je crois, de la Constitution et certaines dispositions qui parlent des impôts et des taxes. Donc, vous voyez que la Constitution pose beaucoup de problèmes. Heureusement que le président de la République nous a entendus aussi, il nous a suivis et il a emboîté le pas. Et nous sommes disponibles et disposés à lui accompagner dans cet aspect des choses pour réviser la Constitution, qu'on ait une Constitution rédigée par les Congolais, pour les Congolais et par les Congolais.
Autre sujet d'actualité politique, blocage pour les élections du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Le bureau d'âge qui a reçu la mission d'un mois, évidemment, pour organiser ces élections est désormais à 5 mois. Une situation qui laisse perplexe plusieurs Congolais. Du côté de l'UNC, évidemment, on appelle à l'arbitrage du président de la République, comme le fait savoir Alain Madilou, porte-parole de la ville de Kinshasa du parti de Vital Kamerhe. On l'écoute. Bon, moi je pense que la population nous observe. Il y avait une mission du bureau d'âge qui est de 1 mois, mais qui aujourd'hui nous sommes étonnés que ça fasse 5 mois. Et il y a un adage qui dit que celui qui n'a rien à perdre vous fait perdre le temps. Et c'est le peuple qui en paye le prix. Parce qu'il y a un gouvernement qui doit être mis en place, installé, pour continuer le programme PDL 145 territoires qui est en suspens. C'est-à-dire, il y a des ministres aujourd'hui qui devraient normalement aller rendre des comptes à l'Assemblée nationale, mais qui passent leur temps à faire des communiqués ou des communications à la télévision. C'est-à-dire, tout ça font que la République ne marche pas. Et ici, je fais appel à l'arbitrage du président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions, parce qu'il s'agira de lui demain pour rendre les comptes à la population. Qui ne suivent pas ceux qui n'ont rien à perdre pour lui faire perdre du temps. Qui prennent la décision et la grande décision pour l'intérêt du peuple. Comme lui-même a toujours dit, l'intérêt du peuple est la loi suprême. Et le peuple veut voir le président agir pour cette situation. Un mot de société avant de poursuivre ce journal. On vous le disait à des là quelques jours sur nos antennes. La hausse de prix des carburants fait du mal à plusieurs couches de la population congolaise. Mais il y a par exemple des chauffeurs de taxi qui sont impactés par la situation. Les véhicules personnels, comme on le disait en République démocratique du Congo, subissent également de plein fouet cette dite situation. C'est un constat réalisé par nos reporter Deborah Piet et Rabi Fouta. Avoir un véhicule à Kinshasa devient stressant. Ce monsieur que nous allons nommer Fred, rencontré à la première illuminité, en est la meilleure illustration. Depuis l'augmentation du prix des carburants, il ne sait plus faire le plein. Nous souffrons, surtout nous qui avons des véhicules, même pour acheter le carburant là, malgré qu'il y a hausse des prix, mais pour en avoir. On a vraiment un trouble fait. On peut faire dans une station 2, 3 heures, 4 heures du temps. Des fois, on n'est pas toujours servi. Cette situation que dénonce Fred est vécue par un nombre important de propriétaires de véhicules pour qui une intervention urgente des autorités sera un soulagement sans précédent. L'État doit prendre ses responsabilités, il doit s'assumer. Par moi, c'est comme si l'État n'existe plus. On se rappelle que c'est la nuit du 24 avril dernier que les autorités ont annoncé la nouvelle grille tarifaire pour le produit pétrolier. Pour avoir 10 litres dans son véhicule, il faut débourser au moins 35 000 francs congolais, soit plus ou moins 13 dollars américains. Merci les conjoints de nous regarder sur notre chaîne YouTube et tapez Fondation Maloba Télévision MO. Dédication à présent, la conception et dimensionnement d'un immeuble R plus 3 à usage résidentiel sur un terrain marécagé à ériger dans la commune d'Engaliema. Tel est le sujet de travail de mémoire en vue d'obtention du titre académique défendu par Christian Kabuya ce mercredi 8 mai à l'Institut National du Bâtiment et des travaux publics INBTP en sigle. Reportage Jessica Kanza. Vêtu d'un costume bleu croisé, chemise blanche comme la neige, cravate noire, voilà la description du lauréat du jour à l'occasion de sa défense de mémoire. C'est un travail de fin d'études qui arrose finalement le parcours élogé de l'étudiant ingénieur, je cite, Christian Kabuya, désormais licencié en bâtiment et travaux publics de l'Institut National du Bâtiment et Travaux Publics, INBTP en sigle. Mais vous n'avez pas fait. Pourquoi vous n'avez pas marqué? Travail des mémoires défendu pour l'obtention du grade académique de licence porté sur les thèmes conception et dimensionnement d'un immeuble R+3 à usage résidentiel sur un terrain marécagé à ériger dans la commune d'Engaliema, ville province de Kinshasa. Devant le jury et l'assistance,
Christian Kabuya, auteur de ce brillant travail, a mis tout le monde d'accord. Après les travaux bien faits, c'est la jouissance, le retrouvaille entre famille et amis. Séance photo, soulagement, détente, des moments pour saluer les parcours universitaires. Comme cela les indique, travaux publics sont réalisés pour l'amélioration du cadre de vie de l'Assemblée des citoyens et qui stimulent justement l'économie et l'emploi. Au gouvernement congolais désormais, voilà un élément sur lequel confier l'exécution des travaux publics, une valeur ajoutée pour la construction des routes et de nouvelles infrastructures. Christian Kabuya, exemple d'un travail avec assiduité, abnégation, courage et détermination. Bravo Christian Kabuya, bravo ingénieur. Voilà l'essentiel de cette journée spéciale pour Christian Kabuya au nom de toute l'équipe de l'FM Télévision. Nos sincères félicitations. On va terminer en sport. On connaît désormais les affiches du tour préliminaire de la 58e édition de la Coupe du Congo saison 2023-2024. Seul le Dari Club Motema Pembe, tenant du titre, était exempté de ce tour pour les combinaisons de deuxième tour préliminaire. Nous avons les affiches, par exemple, AC Fadja qui va jouer, l'SB Club de Kinshasa, FC Nouvelle Vie Bomoko jouera le Tupisa Mazembe, FC Tempête Sanga Balende, FC Mabanga, OC Bukavu Dawa, AS Beni Union, FC MK, AS Malabo jouera, l'OC Renaissance, TP Clinique Machira, l'AS Sanlik, AS Kamaï, DC Virunga, FC Umoja, AS Voutouka, Benisport jouira les Aigles du Congo, Complexe Sportif Imana Daring opposera au Céleste FC, FC Chikas jouira ensuite l'AS Simba, et puis Sportif Owele, AS Veti, et enfin nous aurons une très belle opposition entre FC Ajeki et FC Tanganyika. Voilà les compositions de ces matchs qui lanceront évidemment la 58e édition de la Coupe du Congo. C'est avec ces mots d'espoir qu'on va renfermer complètement cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi, édition largement préparée par Déborah Petit et Rabi Fouka. Guélormi était à la réalisation. L'art se continue sur votre chaîne YouTube. Merci de nous rester fidèles.